Bonjour, Patrick Paris, je suis directeur de la société Antagua, qui est une société d'expertise spécialisée sur les risques sanitaires des réseaux d'eau. Suite au confinement puis à la reprise des activités, les responsables des réseaux d'eau doivent remettre en service leurs installations. Ces arrêts prolongés ont favorisé les développements de biofilms, ce qui a dégradé la qualité bactériologique de l'eau. Il est préférable de procéder à cette remise en service au moins 2 semaines avant l'occupation, que cette occupation soit partielle ou totale. L'article 13-21-56 du Code de la santé publique mentionne que les réseaux doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise en service ou remise en service. En ce qui concerne les établissements concernés, il y a les immeubles du tertiaire, les hôtels, les écoles, une part de l'industrie, les établissements de vacances et les établissements de tourisme, qui sont des établissements à usage intermittent.